Bună ziua a tuturor. Mă bucur să ne regăsim, să ne revedem cu dumneavoastră în clasa Viitorului. Astăzi vom vorbi despre testele de exersare la examenul de franceză pentru clasele bilingve. Așa cum clasele bilingve au nivelul cel mai înalt de cunoaștere a limbii străine, mă refer la limba franceză în cazul nostru, vom vorbi doar limba franceză. Bonjour à tout le monde. Je tiens beaucoup à saluer tous mes collègues professeurs qui ont beaucoup travaillé pour former les élèves qui, voilà, sont déjà au niveau du bac. Je salue aussi les élèves et leurs parents, vu le fait que c'est un événement, je crois, important dans leur vie, dans la vie de la famille et évidemment dans la vie de, des lycées qu'ils représentent. Moi, je tiens aussi beaucoup à remercier tous les professeurs qui, ont réussi à apporter voilà leur contribution dans la formation de ces élèves, vu le fait que là, si vous le savez, la République de Moldova a organisé l'année dernière pour la première fois les Olympiades internationales de français et euh, l'élève qui a gagné la médaille d'or au niveau B2, qui est le niveau des classes bilingues. C'est une élève moldave, elle s'appelle Daniela Jovmir et elle représente le lycée Georgiasaki. Je tiens beaucoup à féliciter tout le corps professoral, sa professeure et tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est l'unique médaille d'or d'une cinquantaine de médailles que la République de Moldova a obtenue dans tous ses concours. Internationaux, bravo. Chers amis, chers collègues, nous passons, voilà, aux tests qui vont nous aider à comprendre mieux cet examen pour les classes bilingues. Donc, euh, on a besoin, comme pour tous les examens, et moi j'ai déjà signalé cet aspect-là pour le, le français, euh, voilà, dans les classes ordinaires. Donc ici, on va commencer avec le cadre européen commun de référence pour les langues. Voilà, vous pouvez le trouver euh, sur ce euh, site juste pour voir euh, comment ça se passe. Oui, pourquoi il est nécessaire le cadre européen commun de référence pour les langues C'est juste pour trouver là-dedans, disons, ce qui vise le niveau B2 pour vos, euh, vos, votre formation. Donc là, vous pouvez attaquer les niveaux communs de référence, vous pouvez regarder les compétences de l'apprenant ou de l'utilisateur, vous pouvez avoir les tâches et le rôle de l'enseignement, mais c'est surtout pour les élèves, donc les échelles de démonstration, l'élaboration des descripteurs de compétences et les autres affaires. Donc ça va vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit pour la... Présentation et pour la préparation à ces examens des classes bilingues. Donc, comme on le sait, aujourd'hui, nous avons déjà depuis 2018, depuis l'année dernière, nous avons le nouveau cadre commun de référence, mais ça va être déjà un objet d'analyse pour les examens qui vont venir après, voilà, la réforme curriculaire dans notre pays. Un autre euh, document important qui va nous aider à mieux comprendre et qui est évidemment le document de base, c'est celui qui vise le curriculum de français pour les classes bilingues. Donc, c'est un document qui a été élaboré en 2008. Moi, je suis auteur et coordinateur de ce curriculum. À l'époque, c'était un document révolutionnaire. Si je le dis, c'est parce que pour la première fois, avant même la conception nationale sur les curricula, que nous avons fixé la centration sur des compétences, même si on a des domaines ou certains objectifs, les compétences font leur apparition. Et vous allez voir comment les domaines, les cinq domaines communication, culture, connexion, comparaison et communauté, sont, sont ralliés avec des compétences. Ces compétences sont valables. Donc, quand vous voulez consulter et ceux qui vont vous aider, les professeurs ou les autres, ils doivent faire référence à ce document. Voilà. Et où est-ce que vous pouvez le trouver Chaque lycée, avec des classes bilingues, a ce curriculum. Donc, les lycées doivent être en possession de ce curriculum. Et vous allez voir à travers ma présentation où je vais me, me centrer euh, concernant euh, tel ou tel type de compétences pour le cas des classes bilingues. Et évidemment, si nous sommes là, nous sommes aussi pour nous exercer à la base des tests qui ont été proposés sur le site du ministère. Et vous pouvez les trouver, les deux tests. Voilà, session 2020, examen 3 langue française, et il faut faire attention que là, il s'agit des classes bilingues. Donc, vous entrez dans les classes bilingues, oui, et vous allez voir que voilà cet examen va nous donner la possibilité de voir où sont ces tests que nous avons proposés. Ça veut dire que mes collègues, les auteurs qui sont les auteurs des, des tests en classe bilingue, oui, voilà, vous avez langue française et vous avez classe Bilingue. Voilà, par exemple, on pourrait vous présenter le deuxième test, test Pentro Exercitare Ciclo Liceal. Ça va et vous allez voir ce qui est là. Je pourrais juste vous aider à mieux comprendre, voilà, pour que tout le monde puisse voir, voilà, ce test qui va avoir une structure. J'en parlerai après, mais ce qui est important pour vous et pour moi, pour cette présentation d'aujourd'hui, c'est de voir le texte, car on va s'exercer à la base de ces textes, au moins sur quelques items. Je pense qu'on va parler du premier surtout, puis celui, le troisième, je pense, qui vise les justifications. Et on va, ensemble, avec vous, avec vos professeurs, on va s'exercer sur la partie qui vise le message de ce texte. donc, euh, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de voir ce texte, vous pouvez le trouver, car on va attaquer ce texte-là, un texte qui vise les après-midi des élèves pour être libérés pour la pratique sportive. juste pour vous mettre un peu dans le sujet, vous allez voir qu'il s'agit d'une interview que l'on a prise, disons, à m. jean-michel blanquet, qui est un ministre, ministre actuel de l'Éducation nationale, et madame Roxana Maracinianou, qui est une Roumaine, oui, mais déjà française, oui, et qui est ministre des Sports. On va parler de ces deux, deux aspects importants qui vont viser voilà, le sujet de, de la, du mariage, si vous voulez, du sport et des études. Voilà une provocation pour nos élèves non pas seulement pour les élèves, peut-être pour les parents, pour les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de pouvoir combiner les deux Voilà, les études. Si vous allez lire le texte, vous allez voir que, par exemple, Mme Maratchiniano, elle dit quelque part que pour elle, ça n'a pas été du tout facile, voilà, parce qu'elle était toujours mise dans cette situation de ménager les deux choses. Donc il fallait ménager et les études et les sports. Et on va voir déjà à la base de nos questionnaires, de nos items, évidemment, comment nous avons résolu cet aspect-là. Voilà. Donc c'est ça le plus important comme document qu'il faut connaître, qu'il faut avoir à côté de soi pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et pour voir d'où ou comment ont été créés ces tests. Est-ce qu'il s'agit des documents qui sont tout à fait euh, plausibles, qui sont tout à fait adéquats à euh, l'élaboration de ces tests pour les classes bilingues Ou bien peut-être ça ne va pas d'une manière tout à fait pertinente. Donc, de ce point de vue, il faudra voir. Je pourrais vous dire que ça va et ça marche. Voilà. Pour la partie suivante, donc il, il faudra voir en quoi consiste la structure du test. Donc ceux qui n'ont pas vu peut-être jusque-là le test des classes bilingues, la différence entre le test du français des classes ordinaires et du français des classes bilingues est que le français des classes bilingues a trois épreuves. Donc euh, on va voire peut-être dans, comme j'ai mentionné pour le cas du français des classes ordinaires, peut-être un beau jour, dans deux ou trois ans, on va revenir sur le test aussi du français, peut-être le, peut le côté grammatical. Pour l'instant, pour les classes bilingues, nous sommes donc dans trois épreuves. Une première épreuve vise l'évaluation de la compétence communicative et évidemment ce qui est le l'objet, l'instrument de base qui nous permet, qui permet au professeur de voir comment l'élève s'engage dans cette compréhension, euh, voilà, c'est le texte. Et on va voir. Euh, déjà, je vous ai parlé de ce texte-là. Donc, il s'agit d'un texte plutôt inter interview, un texte où les deux ministres vont s'exprimer se, euh, se, euh, sur euh, cette idée. De comment combiner le sport et les études et que ça se passe d'une manière plus ou moins réussie. Voilà. Et puis, répondez aux questions et cho choisissez la bonne réponse. Donc, nous avons vu déjà avec vous le texte. Vous êtes déjà au courant de ce sujet de base. Voilà peut-être une idée qui va s'en sortir, mais plutôt, on va avoir le message. Et l'autre aspect, c'est répondez aux questions. Donc, euh, la majeure partie des questions qui suivent le, la première épreuve, ce sont surtout des questions sur le texte, mais donc il faudra répondre, ça veut dire compléter, voilà, à la base du texte, mais on peut avoir aussi le choix de la bonne réponse. On va peut-être s'exercer avec vous je, immédiatement sur le troisième item où il faut choisir des phrases du texte à titre de justification, et qui doivent nous permettre de répondre à cette question voilà, d'une manière correcte. La deuxième épreuve, c'est celle qui évalue les compétences culturelles et pragmatiques. Donc, j'insiste sur l'idée de culturel. On va voir avec vous d'où est-ce que je peux euh, retirer, voilà, euh, ces questions sur euh, la culture, où, où est le, si vous voulez, le, la base voilà, des données pour euh, pouvoir répondre à cette question. Et évidemment, l'aspect culturel, j'insiste sur cette idée, est important pour les classes bilingues. Or, il s'agit non seulement d'un français renforcé, mais il s'agit d'une co-présence de la francophonie dans toutes ces classes qui, traverse tout le pays du nord au sud. Donc cette présence culturelle doit nous permettre de mieux sentir non seulement le français, mais l'ambiance culturelle de ce français qui est une ambiance francophone et que la Moldavie avec les classes ordinaires ou avec les classes bilingues fait partie de cette famille francophone et nous avons, j'ai déjà souligné, voilà une contribution énorme au moins par les olympiades mais aussi par d'autres aspects au moins par l'élaboration de ce curriculum pour les classes bilingues, une expérience que je n'ai pas trop trouvée ailleurs. Donc, c'est aussi une réussite de l'expérience francophone moldave. Donc, pour cette deuxième épreuve, vous aurez à rédiger un texte, ça va, et vous avez les indices, 150 mots. Évidemment, ça dépasse ce qui est une norme pour le français classe ordinaire. Ça vise déjà un français renforcé. Et c'est pour nous de voir comment vous allez le faire. Ça veut dire, on, vient, on viendra, voilà, avec certaines suggestions. Voilà. L'épreuve 3, c'est celle qui vise la compétence civique. Voilà. Et c'est de nouveau un texte cohérent. On va voir d'une manière plus ou moins concrète. Oui, comment ça se passe? Il s'agit déjà d'exprimer une attitude. Au niveau B2, cette attitude s'exprime d'une manière très argumentée. Donc, la, le besoin pour vous, c'est de pouvoir vous encadrer voilà, dans une limite de volume. Ensuite, il faudra savoir et argumenter à la base voilà, de plusieurs exemples et arguments. On va le faire immédiatement dans ce qui va suivre. Voilà le score du test. C'est juste comme pour le français des classes ordinaires. Vous avez 100 points. Donc, mais la répartition par épreuves est un peu différente. À vous de bien remarquer. Donc la première épreuve, elle va avoir 40 points. C'est la plus sollicitée. Et elle est sollicitée car vous avez quelques 7 items et qui vous permettent de comprendre un texte à l'écrit et de voir en, en finale comment vous vous, place, vous vous positionnez par rapport à ce texte. Voilà, se positionner, c'est juste en finale par le prisme de l'expression du message du texte. Et c'est là que, comme j'ai souligné autrefois, ces textes qu'on vous propose pour les examens sont aussi des tests formatifs. On se forme, non seulement on est évalué. Et moi, je tiens beaucoup à cet aspect-là. Et je dis merci aux auteurs des tests qui réussissent à le faire, car ça nous permet d'être bien cloués à l'actualité. La deuxième épreuve, évidemment, la deuxième dont j'ai parlé, c'est celle culturelle. Elle est euh, évaluée sur 25 points. Oui, ces 25 points, à leur tour, seront redistribués. Nous allons le voir juste quand on va parler de cette épreuve donc c'est l'épreuve culturelle. Et la troisième, comme vous voulez, elle peut concurrencer avec la première. Elle a 35 points. Si vous me demandez, monsieur le professeur, pourquoi un tel pointage, un tel score pour cette troisième épreuve, parce qu'il s'agit premièrement du fait qu'elle a du volume, disons, c'est 250 mots. Il faut que l'élève puisse s'exprimer. Mais le plus important, c'est que l'intérieur de cette épreuve, L'élève vient avec son attitude, avec sa vision et comme j'ai déjà souligné, avec sa position. Ça, c'est vraiment important. Et au niveau, de, euh, au niveau B2, euh, ça se voit d'une manière très claire parce qu'il s'agit déjà d'un niveau universitaire. Or, à l'université, le B2, c'est le niveau de la licence. Moi, j'ai passé par beaucoup d'expériences avec les élèves, voilà des classes bilingues, parce que nous organisons, comme vous le savez, les Olympiades nationales. Nous organisons, voilà, depuis cinq ans, les Olympiades internationales. Et il faut que j'avoue, le niveau de français dans les classes bilingues est très haut. Ça m'encourage, et je veux encourager ceux qui font les classes bilingues, car d'après ce qu'on m'a dit au ministère. La moyenne, voilà, après les exercices euh, sur les tests, euh, permettent de voir que euh, presque une, euh, 80, euh, le pourcentage est sur 80 en matière de réalisation du test. Donc, euh, euh, ce sont des classes bien formées. Et je félicite les élèves, je félicite les professeurs. Voilà. Alors, j'ai choisi pour vous, pour l'exercice d'aujourd'hui, le test numéro 2 dont j'ai déjà parlé, je vous l'ai présenté voilà, sur euh, la, la deuxième, je crois, le, dia, le deuxième diapositif où l'on a parlé voilà de euh, session internationale testée pour voilà Et donc, vous connaissez déjà d'une manière ou d'une autre le texte. J'ai souligné cette idée qu'il s'agit d'un texte qui vise le sport. Et voilà. C'est euh, le titre de ce texte, plutôt cette dénomination de ce texte interview. Les après-midi des élèves pourraient être libérés pour la pratique sportive. Donc, euh, le sujet autour duquel se, se concentre euh, le texte, c'est celui du sport et de la pratique sportive. Comme vous avez vu, on a les deux ministres qui sont présents dans le texte, Blanquet avec l'éducation nationale, Maracignanou avec le sport, et les deux viennent avec cette idée de comment faire pour que le sport fasse partie de la vie quotidienne des élèves, car ça peut avoir plusieurs bénéfices. Et ça, on va le faire déjà dans le message à la fin. Alors on commence par la première, le premier item dans, dans l'épreuve euh, numéro 1 donc qui nous permet de dire de quoi traite l'article. Donc si vous allez dans le texte, il faut bien choisir de quoi parle cet article. donc il faut choisir la phrase qui doit être là et euh, évidemment que, le bon choix de cette réponse vient d'un côté euh, du titre qui est de cette interview et de l'autre côté, après avoir bien lu le texte et après avoir compris la quintessence de ce texte. Et comme on voit, ce texte parle, donc traite des aménagements réalisés pour le sport scolaire en France selon les propositions des deux ministres. Voilà. Moi, j'ai complété, complété cette affaire-là parce que vous avez quelques quinze, vingt mots. Si vous allez compter, vous allez voir qu'on est sur quelques vingt mots, et ça, c'est important. Et en même temps, nous voyons que le sujet du sport scolaire est là, et nous voyons que les acteurs qui s'engagent à attaquer ce sujet pour qu'on puisse parler euh, euh, d'une manière euh, plus ou moins euh, intéressante ou dans le sujet, ce sont les deux ministres. Donc, d'une telle manière, nous avons répondu avec vous à cette première question, ça veut dire le premier item et qui va nous donner deux points et qui vise le problème des aménagements réalisés pour le sport. Donc, ces aménagements, euh, à titre de synonyme, si vous voulez, veulent nous dire quelles modifications, quels changements. Quelles petites, peut-être, métamorphoses vont euh, souffrir, supporter, subir le système éducatif de l'autre côté, le système peut-être sportif ou le ministère des Sports, juste pour pouvoir euh, faire face à cette nouvelle exigence. Moi, je vais appeler ça plutôt comme une provocation et ça me paraît tout à fait intéressant. Voilà la réponse à ce, à ce premier item. Vient sur deux points. Quelles sont les variantes possibles? La réponse correcte et complète, ça veut dire que vous avez les 15-20 points conformément à la consigne, vous apportez les deux points complets. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vous avez expliqué juste comme je l'ai fait, vous attaquez le sujet du sport, vous attaquez les deux ministres qui sont impliqués et qui viennent avec leur réponse, et comme ça, vous obtenez le deux points. Oui, mais. Dans le cas où j'ai moins de 14 ou de 15 mots et peut-être la réponse est partielle, qu'est-ce que je fais Vous obtenez un point. C'est pas mal. Qu'est-ce qui pourrait être une réponse partielle, par exemple À titre de réponse partielle, vous répondez qu'il s'agit du sport, peut-être, mais vous ne dites pas qu'ils sont impliqués ou vice-versa. Vous dites les deux ministres qui sont impliqués, mais de quoi est-ce qu'ils parlent Et là, vous êtes dans une réponse partielle. Elle est correcte, partiellement correcte et partiellement conforme à la consigne. Là où la réponse est incorrecte et non conforme à la consigne, ce qui d'habitude n'arrive pas dans les classes bilingues, oui, il faut le souligner, donc euh, c'est un zéro, mais le zéro d'habitude n'existe pas. Dans ce type de classe ou dans ce type de formation d'alternative. Voilà. Et là, le manque de réponse, d'autant plus. Donc, ça n'existe pas. Et maintenant, on va vers l'item numéro 3. Voilà. Je le fais juste parce qu'il est semblable comme, euh, à celui des classes ordinaires de français. Mais ce qui est important, euh, ce sont les, euh, les, la consigne qu'il faut bien lire. Ça va? indiquer pour chacune des phrases si l'information est vraie ou fausse. Voilà, vous avez les deux indices qui sont là. Justifiez la réponse en citant un passage du texte. Donc vous devez citer un passage du texte. Ce n'est pas du tout euh, compliqué peut-être, mais ce qui est important, c'est de trouver justement le passage, parce qu'il faut l'exprimer aussi. Selon une limite de volume, donc faut pas dépasser, et le choix des collègues qui ont proposé voilà cet item va justement dans les limites euh, de tout cela. Et donc nous avons neuf points, ça veut dire qu'on va avoir trois questions par trois et qui vont nous permettre voilà d'obtenir euh, euh, ce qui est là. Ok, donc je pense oui trois, trois, 3 neuf, 3, 3, on va. Corriger donc là-bas. Ah voilà, on a les trois questions. Moi, je viens avec la réponse pour faciliter voilà votre mission et c'est pour cela qu'on est là parce que nous parlons voilà des tests d'exercice et on va s'exercer avec vous ensemble pour choisir la réponse correcte. On commence par la première. Donc dans la première, le ministère des Sports voudrait qu'on puisse valoriser les parcours des sportifs dans le monde professionnel. Donc la provocation est peut-être là. Est-ce que ce parcours sportif, sportif pourrait être valorisé par le monde professionnel Parce qu'on sait que d'habitude, quand on est engagé dans tel ou tel domaine, euh, le sport est moins sollicité. Voilà, on est juste sur... Voilà, les compétences du domaine euh, des, des technologies ou bien économiques, etc. Et alors, euh, le texte vient avec cette provocation et il vous demande si une telle option est possible, si une telle option peut devenir réalité. Et alors, quelle serait la réponse La réponse est vraie. Où est-ce que je peux trouver cette réponse Leur parcours, ça veut dire le parcours des sportifs. Sera valorisé quand ils passeront un entretien d'embauche, ah voilà, et leur savoir sera pris en considération par le monde professionnel. Ah voilà la provocation. C'est une belle provocation. Elle me permet de comprendre petit à petit le contenu de ce texte. En répondant, en justifiant certaines questions comme celles qui sont là, et qui me prépare d'une manière ou d'une autre pour le message que je vais exprimer en final. Donc c'est vrai. Félicitations pour cette euh, euh, affirmation correcte. La deuxième. Après avoir lu le texte, vous allez voir qu'à l'intérieur du texte, il s'agit d'un projet. Voilà confiance et sport. Voilà, confiance peut-être de la part du ministère de l'Éducation et Sport, de la part du ministère des Sports, et qui veulent dire que ces deux affaires, l'éducation et le sport, doivent coexister et même d'une manière productive. Et alors, selon le plan mercredi, des changements surviendraient dans les rythmes scolaires. Est-ce que le texte nous permet de comprendre? Que les, les, euh, les rythmes des élèves pourraient changer? Est-ce qu'on qu pourrait intervenir avec certains aménagements dans la vie scolaire et que ça, se, et que ça soit bénéfique pour l'élève et pour sa, aff, euh, sa, son affirmation? Quelle est la justification? Nous lisons le texte et nous essayons de trouver la phrase justificative. Quelle est cette phrase? Ce parcours pourrait démarrer dès la maternelle et appeler des aménagements dans le temps scolaire de l'élève. Donc, nous avons aussi une réponse affirmative, c'est vrai. Qu'est-ce qui me permet de comprendre que c'est vrai Où sont ces changements Les changements possibles vont dans les aménagements dans le temps scolaire de l'élève. Donc, il faudra intervenir. Intervenir d'une manière plus ou moins réussie pour que ça ne cause pas des problèmes ni aux études de l'élève, mais pour que ça contribue à sa santé ou à ce qu'on appelle les valeurs du sport, qui sont aussi importantes pour un élève contemporain. La troisième question, ou la troisième provocation pour nous, c'est tous les établissements scolaires seront impliqués dans le projet, Confiance et sport. Voilà ce projet dont j'ai parlé. Alors la question qui, euh, qui, qui me paraît euh, un, 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 importante ici, c'est est-ce que tous les établissements sont visés Alors je lis le texte et je vois quelque part vers la fin, vous allez voir dans le dernier alinéa, que ça ne pourrait pas viser tous les établissements. Pourquoi Bon, il y a l'aspect logique. L'aspect logique qui me dit, mais c'est un projet, c'est une provocation. Quelle est sa mission La mission de cette provocation, c'est de voir qui va s'engager, qui peut s'engager, et qu'en final, peut-être avec une réussite voilà, de ce projet, peut-être les autres établissements vont le faire aussi d'une manière assez, disons, dynamique, et que ça pourrait apporter vraiment des bénéfices à tout le monde. Alors, la lecture du texte me permet de trouver la justification et je vois la phrase qui est celle, de, euh, celle justificative. L'expérimentation concernerait à minima, minima les collèges. Alors, vous avez les collèges et vous avez à minima. Est-ce que la réponse est vraie ou fausse Donc, c'est faux pourquoi c'est faux parce que ça ne vise pas tous les établissements scolaires ça vise les collèges au moins les collèges donc le projet des deux ministères et les propositions des deux ministres vont s'orienter vers les collèges vers euh, voilà cette étape euh, moyenne de formation et à la base duquel on peut juger si ce projet est effectif ou bien pas trop et c'est euh, tout à fait logique comme j'ai déjà dit parce qu'on ne peut pas peut-être le commencer dès le primaire il faut voir comment ça marche au niveau moyen et puis déjà on va le, euh, le faire transférer en, en cycle primaire peut-être même en maternelle et alors l'épreuve première elle clôture avec l'item numéro 7 c'est cet item dont nous avons dont j'ai déjà parlé et quelle est sa mission vous avez il apporte 10 points voilà c'est l'item le plus valeureux. oui et évidemment il est important pourquoi parce qu'il vise le message du texte l'affaire du message n'est pas simple mais je crois que mes collègues professeurs mais vous aussi, vous avez tant de possibilités de fouiller sur Internet, dans euh, toutes sortes de sites à ce sujet-là, pour voir comment se construit euh, le message. Moi, j'ai déjà mentionné cet aspect pour le cas de l'exercice en français ordinaire. On peut avoir le thème, au cas où il s'agit voilà, de la littérature, qui est un élément très large, comme la vie, l'amour. OK? Mais d'autre côté, on a le motif qui est l'actualisateur de ce thème et qui peut être aussi important. Ça peut être dans le cas de l'amour, ça peut être la fidélité, l'infidélité et les autres. Et puis vient l'idée et le message. Voilà en matière d'idée. L'idée d'habitude, les savants, et moi je soutiens, moi j'ai écrit aussi des articles à ce sujet- là, c'est cette attitude critique de l'auteur envers le thème abordé, Ici, on peut parler voilà du sport, de l'éducation et voir l'attitude de l'auteur. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de choisir euh, voilà la, euh, le choix du message qui devrait exprimer euh, la leçon que je prends et l'enseignement que je prends à la base de ce texte. C'est ça le message du texte. Donc, qu'est-ce qu'il me permet à comprendre en final pour moi-même Et ça, il faudra l'exprimer. Avec mes propres mots, donc c'est une idée importante, c'est le niveau B2 et en B2 on peut déjà le faire et vous avez la limite du volume qui me dit 55 ou 60 mots et vous aurez les, le pointage de base. Voilà, pour faciliter votre mission, pour vous donner un exemple qui soit plus ou moins euh, adéquat et pertinent pour... Le deuxième test qui est, disons, le premier là-bas, mais aussi les tests qui vont venir pour cette étape de, voilà, quand on va faire le test au niveau national, l'exercice au niveau national, oui, j'ai essayé de marquer, voilà, en respectant, si vous allez compter, vous allez que, environ, ça fait 60 mots, je crois, voilà. 60 mots. Donc, vous allez voir le barème qui va vous dire si vous dépassez, on ne va pas vous euh, attribuer des points, donc, euh, mais pas moins que 55. Entre 55 et peut-être 60, donc 61 et 2, euh, c'est bon, mais ça ne va pas vous apporter des points. Alors, quel est le message qu veut, que veut transmettre ce texte pour moi ou pour vous en final après avoir lu le texte après avoir vu voilà comment les deux ministres essaient de faire d'apporter quelque chose de nouveau et surtout d'important dans cette formation scolaire qui d'un côté est tout à fait éducative et de l'autre sportive est-ce que l'éducation et le sport ce sont deux choses qui se marient qui se combinent et qui peuvent avoir qui peuvent apporter des bénéfices et alors Selon moi, juste comme euh, variante pour vous, faire du sport dès la maternelle peut apporter plusieurs bénéfices. Le développement complet de la personnalité, qui englobe la santé physique et les valeurs véhiculées par le sport, le progrès du sport à l'école, la valorisation durable du parcours sportif, le goût de la performance. Pour y arriver, des aménagements dans le temps scolaire sont indispensables, comme les après-midi libérés pour les activités sportives. Donc, qu'est-ce que je prends de tout cela Que le sport, si je commence à le pratiquer dès la maternelle, il me permet le développement de ma personnalité. Ma personnalité ne se compose pas seulement voilà, des euh, compétences, des valeurs qui visent les autres domaines. Elle peut englober aussi des valeurs sportives. Et pour que je puisse parler d'une santé morale, psychologique ou spirituelle, la santé physique est aussi importante. Et là, on est dans des temps très délicats aujourd'hui, vous les connaissez très bien. Et la santé physique, ça sert à beaucoup de choses. Voilà. La deuxième, c'est le progrès à l'école. Je comprends que... Avec ma participation, avec la participation des autres élèves, mon école peut avancer en matière de sport et devenir peut-être une école renommée à côté de ses performances en sciences ou dans les autres domaines. A ah, plus important, c'est aussi important, c'est la valorisation durable. Voilà, la valorisation durable, elle vient juste comme support. Euh, euh, après, les, après avoir répondu aux questions sur les justifications, ça veut dire est-ce que la, les performances en sport seront prises en considération pour les interviews d'embauche de, ou pour la formation professionnelle. Moi, je comprends que, à part l'effet purement sportif, ça peut m'apporter euh, des bénéfices. Pour et dans l'engagement en France, par exemple, parce qu'il s'agit d'une situation française. Et ce que je trouve important, ce qui n'est pas d'une manière peut-être explicite présentée dans le texte, mais d'une manière plutôt implicite, c'est que le sport va me cultiver le goût de la performance. Pour y arriver, donc, je comprends que ma vie scolaire, elle devrait avoir certains changements elle devrait connaître certains aménagements. Je les accepte car ça va me permettre de gagner en performance. Quelle performance Cette performance qu'il faut cultiver non seulement en sport. Le goût de la performance va hors du sport. Il pourrait être accepté aussi pour le cas des, de la vie professionnelle, de la vie de tous les jours, quand je veux me dépasser pour obtenir des succès. Voilà le barème qui vient à la fin. Euh, vous avez la réponse correcte, donc pour le contenu, va vous apporter 7 points. La réponse complète et totale pour le cas du volume, ça veut dire qu'il faut entrer dans les 55-60 mots, donc vont vous apporter, par finale, les 10 points voilà euh, que chacun de nous en tant que candidat au bac souhaite obtenir. Pour les autres euh, aspects, donc ça va en diminution, ça peut vous apporter 5, 3 ou 1 point. Pour la réponse correcte, aucun point n'est attribué. Et en même temps on peut voir que jusqu'à 45 mots euh, que vous, euh, dont, dont vous vous servez, dans l'expression de ce message, vous êtes encore euh, évalué, on, on pourrait vous donner un point. L'épreuve numéro 2, évaluation des compétences culturelles et pragmatiques. Donc on est dans la compétence culturelle dont j'ai déjà parlé au début. Oui, curriculum de français pour les classes bilingues, c'est le document de base. Où est-ce que je peux trouver... Voilà les, euh, les descriptions, les descripteurs qui sont importants pour que je puisse préparer la compétence culturelle. Donc vous allez dans le curriculum et vous avez les syllabus. Les syllabus, c'est selon voilà, la synthèse des thèmes sur lesquels il faudra savoir s'exprimer et autour duquel il faudra savoir construire voilà, les, euh, le, les sujets proposé dans le cadre de l'épreuve euh, numéro 2. Donc, euh, vous les trouvez en dixième, onzième, douzième, oui, parce que tous ensemble, ces syllabus vous permettent de comprendre où est-ce que nous sommes avec l'expression voilà, de cette euh, compétence culturelle. Moi, j'ai pris, par exemple, la douzième classe. Pour vous aider, pour vous donner la possibilité de comprendre comment je le fais. Et par exemple, le domaine culture en deuxième classe a des standards. Les standards, ça veut dire où est-ce que aboutit la compétence de l'élève en matière de culture Qu'est-ce qu'il doit savoir, pouvoir transmettre en matière de culture comme compétence Et donc, vous les avez. Juste au domaine culture, je souligne, c'est le domaine culture. N'oublions pas que les curricula des classes bilingues, ils ont cinq domaines, on les appelle les ainsi dites 5 C, communication, culture, connexion, comparaison et communauté. Des domaines qui sont d'ailleurs valables aujourd'hui et qui ont été d'une manière ou d'une autre reprojetés dans le cas des, du curriculum pour toutes les langues étrangères. Et alors, qu'est-ce qu'il doit faire l'élève à la fin du niveau 12, euh, de, de la 12e classe Alors, comprendre, présenter une démarche culturelle et interculturelle sur la France, la francophonie, voilà important. Commenter des aspects du monde francophone, donc le monde francophone qui est aussi là. Une, euh, utiliser les éléments sociolinguistiques argumenter l'importance des relations interpersonnelles, analyser des valeurs, des croyances ou des comportements, interpréter des séquences des œuvres de la littérature française, je souligne des séquences car nous sommes dans une formation scientifique mais des séquences sont importantes pour nous et pour ce type de formation d'alternative s'approprier la culture du langage et les comportements langagés et communicationnels à l'écrit et à l'oral. donc la culture du langage et les comportements <coughs> permettent de comprendre comment se réalise. voilà le euh, la formation d'un élève en classe bilingue sur la base aussi d'un substrat si vous voulez culturel francophone. c'est la différence par rapport aux autres types de langues ou de formations langagières. Alors voilà, j'ai pris aussi le syllabus de la 12e classe où vous avez les thèmes qui vous sont proposés. Voilà, c'est la liste de la 12e, mais pour vous, il faut regarder aussi le, le syllabus de la 11e et de la dixième et comme ça, vous aurez un syllabus père-ensemble qui doit vous permettre sur quoi on peut jouer ou sur quoi jouent les auteurs des tests qu'on vous propose en finale de cette formation bilingue. Alors, il y en a beaucoup. Je vais juste pointer et je les ai déjà mis en gros ou en, en caractère gras, juste, juste pour observer euh, ceux qui vont euh, être mis euh, en en valeur par le test numéro 2 proposé pour exercice. Alors vous avez les âges d'or des civilisations, voilà la littérature, les âges, si ça vise d'une manière quelconque la France aussi, mais puis vous avez les écrivains, les poètes francophones, voilà qui sont importants et qui vont me permettre de comprendre que euh, certaines lectures sont importantes pour moi car elles seront revalorisées dans le cadre des tests. La peinture, l'esprit cartésien des Français, les philosophes, ça veut dire peut-être on va me suggérer de parler d'un philosophe à travers le temps qui a influencé pas seulement la France, mais peut-être le monde entier. Et puis évidemment la francophonie avec évolution et défi, voilà tout ce qui s'est passé à travers le temps et comment peut-être la francophonie a influencé euh, l'espace culturel et l'espace éducatif de la Moldavie, et puis le cinéma et la télévision. Voilà, parce que les autres sont aussi importants, mais j'ai souligné ceux euh, qui sont visés voilà, par le sujet de notre épreuve numéro 2, euh, qui vise l'évaluation de la compétence culturelle. Voilà, lors des journées de la francophonie, vous écrivez un article pour présenter les rencontres avec la culture française, qui vous ont marqué. Littérature, musique, peinture, science. Vous exprimez vos impressions et vos sentiments. Vous donnez au moins deux exemples pour illustrer vos idées. Alors, par quoi je m'impose Je vois qu'on va parler de la francophonie. J'ai déjà souligné cet aspect-là. On va écrire un article, donc juste comme on le fait, en proposant, en décrivant ce qui est important. Et qu'est-ce qui va être à la base La culture. Je peux choisir peut-être un écrivain, un poète. Je peux choisir un représentant de la musique. Je peux choisir un peintre, parce que vous avez tant de courants qui ont dominé le monde et pas seulement la France. Mais voilà, ça pourrait être un de vous. Ça veut dire qu'on vous est dans une formation scientifique, vous pouvez choisir un savant. Ça peut être un physicien, ça peut être un mathématicien, voilà, ou quelqu'un qui vient de la biologie, de la chimie, que vous avez appris, voilà, et qui peut servir, mais français évidemment, ou francophone, de la culture française ici, voilà, français donc, et qui doit servir pour vous comme exemple pour l'illustration de vos idées. Donc vous avez deux exemples. Vous pouvez marier, par exemple, littérature avec musique. Vous pouvez marier peinture avec science, mais vous pouvez marier les deux sciences. Je crois que ça va être bien euh, exprimé. Et ça va vous donner la possibilité d'être de, de, tout à fait convaincant dans l'expression de cette deuxième épreuve, dans la réalisation de cette deuxième épreuve. Donc, euh, en matière de barème, qu'est-ce qu'il dit le barème Si vous exprimez correctement tout au niveau des compétences culturelles, parce que c'est la compétence culturelle qui est visée, vous obtenez 8 points. L'expression correcte au niveau de la compétence linguistique, donc ici ce n'est pas la compétence linguistique qui semble être dominante, donc la compétence linguistique vous apporte deux points. L'expression correcte au niveau de la compétence linguistique, mais ici il s'agit du lexique, là-bas c'est sémantique, ça va vous apporter les trois points. L'expression correcte au niveau de la compétence linguistique, mais qui vise déjà la grammaire, et l'orthographe. Donc, comme j'ai dit, la grammaire ne figure pas pour les classes bilingues d'une manière séparée. Ça vire comme une épreuve à part. Et alors, pour cela, le pointage en matière de grammaire, comme vous le voyez, ça fait au moins 8 points. Et la dernière consigne, expression correcte au niveau de la compétence méthodologique. Quand nous disons compétence méthodologique, nous examinons le volume. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour le volume En cas de dépassement du volume maximum de mots, aucun point n'est attribué. Donc, on ne va pas vous euh, sanctionner, mais le volume que vous dépassez ne vous apporte pas du point. Donc, il faut essayer d'être euh, en bon terme avec les exigences du volume. Et le score de la tâche de volume, qu'est-ce qu'il fait Il est ajouté à celui du contenu. Ça va Donc vous avez les 7 points. Les 7 points, vous avez 18 points pour le contenu et vous avez 7 points pour le volume et pair ensemble, ça vous apporte 25 points, oui, le score final. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour vous C'était juste pour vous faciliter la mission, car il s'agit de la culture. Oui. Et nous venons pour vous aider avec plusieurs sites qui permettent de voir de quoi il s'agit. Vous avez la France Culture, vous avez TV5 Monde, vous avez de nouveau Culture RFI La France, vous avez les savoirs aussi sur RFI. Vous avez agir en français aux ressources, apprendre le français, culture et histoire française. Et vous avez aussi le point du fleu, ça veut dire le fleu, le français comme langue étrangère, mais il s'agit des compétences culturelles qui peuvent vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, ça reste, ça va figurer dans la classe du futur, donc ou bien quand vous allez voir à la télévision, vous pouvez photographier au moins, pour ensuite les trouver et pour vous documenter pour faire face bien à ce type de euh, performance. La dernière épreuve, l'épreuve numéro 3, elle vise la compétence civique. Voilà, elle est sur 35 points. Donc, comme j'ai dit au début, elle semble concurrencer la première le texte. Il n'y a qu'une différence de 5 points. Où est-ce que je peux voir où est-ce que je peux trouver l'info nécessaire qui doit me permettre de m'encadrer bien dans la, euh, euh, voilà, pour trouver les solutions nécessaires à ce type de euh, provocation. Vous avez toujours le curriculum de français et ici on est déjà dans le domaine de la communication. Si pour l'épreuve précédente on, on, on était au niveau culture, ici on est au niveau... Au, au, au domaine de la culture, ici on est au domaine de la communication. Qu'est-ce que je cherche Je cherche l'expression écrite, car pour le texte c'était la compréhension écrite, pour la troisième épreuve c'est l'expression écrite. Vous allez en dixième classe, onzième, trois, euh, douzième, et vous allez trouver quel est les standards, quels sont les standards auxquels je dois aboutir pour répondre à ce type de compétence. Alors, qu'est-ce que je vois Voilà un exemple pour la douzième classe. Et qu'est-ce que je dois faire Je dois faire, euh, faire face à des exigences comme écrire des textes clairs et détaillés. Voilà, sur différents domaines, vie scolaire, vie personnelle, vie sociale, j'ai spécialement marqué, car on va voir sur quoi insiste la troisième épreuve. Oui. Voilà. Ensuite, écrire des descriptions élaborées d'événements et d'expériences écrire un essai ou un rapport, résumer un large éventail de textes en commentant, en critiquant les thèmes principaux et les points de vue opposés. Voilà, je vois des solutions à un problème sur la vie sociale et peut-être avec différents points de vue. Voilà, ce sont justement ces indices qui vont me permettre de voir sur quoi est-ce que je dois me concentrer. Et alors je vois que la consigne... Dans la troisième épreuve, ainsi sur quoi Rédigez un texte cohérent sur 25, euh, 250 mots, pardon, environ conformément à la situation indiquée, en argumentant votre opinion. Donc, texte, 250 mots et une opinion argumentée. Quel est le sujet de cette provocation la presse francophone a lancé une discussion sur le sujet. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des voitures au centre-ville Voilà un sujet qui nous intéresse. Un sujet qui est valable aussi pour la Moldavie et non seulement. Dites quelle est votre opinion écrivez un texte argumentatif. Voilà. Donnez trois exemples c'est aussi important. D'où est-ce que je prends les exemples Ça peut venir de mon expérience, ça peut venir des événements, des lectures aussi. Je vois que les lectures sont importantes en respectant l'introduction, le développement, la conclusion comme composante du plan de l'argumentation. Je sais que vous vous êtes bien exercé avec vos professeurs. Ça doit vous aider aussi à réaliser cette troisième épreuve. Le barème de la troisième épreuve est sur 35 points. Donc vous voyez aussi que on insiste sur l'expression correcte des compétences civiques. Elle vous apporte 10 points car nous sommes dans la troisième épreuve. Mais on a aussi la compétence linguistique visant la sémantique, visant le lexique, la, la grammaire, oui, et aussi la compétence méthodologique. Donc les autres vont vous permettre... de mieux comprendre comment ça s'agit, comment ça se réalise. Donc, la note ABN, qu'est-ce qu'elle dit En cas de dépassement du volume maximum de mots, aucun point n'est attribué. C'est la même consigne que pour l'épreuve précédente, et que le score de la tâche de volume est ajouté à celui du contenu. Donc, nous avons pour le volume 10 points, et nous avons pour le contenu 25 points. Père totale, ça fait les 35 points exigés. Voilà, merci à tout le monde. Je vous souhaite du courage, évidemment de la bonne chance, et que tout le monde puisse soutenir d'une manière réussie cet examen de baccalauréat 2020 pour les classes bilingues.